Merci. La parole est à Monsieur Camille de Rocasserra. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au secrétaire d'État chargé des transports et porte sur l'avenir de la SNCM, et j'y associe mes collègues Sauveur Gandolfi-Chette et Laurent Marcangeli. En janvier dernier, le gouvernement a préféré changer le pansement plutôt que de penser le changement. Les élections municipales à l'horizon, vous avez préféré mettre le dossier à la cape. Et hier encore, vous n'avez pas répondu en tentant de vous écharger sur le passé et en vous abritant derrière la privatisation. Dès lors, pourquoi n'avez-vous pas renationalisé ? Si nous sommes collectivement comptables du passé, vous êtes responsables du présent et de l'avenir. L'heure n'est plus au calcul, trop souvent stérile, mais au choix. La commission d'enquête l'a démontré, les coûts d'exploitation sont faramineux. Il nous faut savoir quelles sont les intentions de l'État actionnaire à 25%, dont la position seule peut débloquer la situation. Nous déplorons aussi un risque de contamination sur la société méridionale. L'acquisition de nouveaux navires dont nous ne connaissons pas le financement ne règle pas le problème. Ils sont juste une garantie pour l'exécution de la DSP sur 10 ans. Se pose également la question du renouvellement du directoire avant le 31 mai. L'arrêté des comptes est un autre point d'achoppement entre la direction et Transdev. Cet actionnaire revendeur de 66% des parts, dont nous savons qu'il ne retrouvera pas de repreneur dans une telle situation financière. Vous avez parlé hier à ce sujet d'une épée Damoclès. Elle pèse non seulement sur la compagnie et ses salariés, mais surtout sur l'économie insulaire. Monsieur le ministre, allez-vous enfin prendre vos responsabilités sur ce dossier ? Quel sera le futur actionnariat de l'État ? Qu'en est-il de la SEM et du renouvellement de la flotte ? Qu'en est-il de la participation de la Caisse des dépôts ? Qu'en est-il des 440 millions d'aides publiques jugées illégales par les autorités européennes et qui vont devoir être remboursées et par qui ? Il vous reste 5 jours, monsieur le ministre, avant le prochain conseil de surveillance du 12 mai. Merci. Pour... La parole est à madame la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Merci, monsieur le député, de vos préoccupations qui est partagée, je le pense, par tous les élus de toutes les sensibilités politiques relatifs à la Corse. Frédéric Cuvillier étant retenu par une réunion internationale, je vais vous donner les éléments très importants que le gouvernement a mis en place pour répondre à la préoccupation de cette entreprise. D'abord, vous le savez, l'entreprise a été lourdement fragilisée par 2 contentieux très lourds, l'un sur la privatisation et l'autre sur les services complémentaires. Et l'État a fait tout ce qu'il devait faire pour faire les recours afin de défendre l'entreprise. Pour l'avenir, vous l'avez dit à l'instant, le 12 mai, il y aura le conseil de surveillance. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'au cours de ce conseil de surveillance, la Caisse des dépôts et consignations et la Banque publique d'investissement proposeront des solutions, en particulier pour le rachat de la flotte. Il y a 7 schémas possibles qui seront présentés au conseil de surveillance. Ils ont déjà été présentés aux actionnaires, aux salariés, au directoire la semaine dernière. Et encore ce matin, une réunion s'est tenue pour présenter, pour affiner les propositions qui seront donc, je le répète, présentées lundi au conseil de surveillance. Je souhaite ainsi que la SNCM, au-delà des polémiques qui n'ont pas leur place dans ce domaine, puisse voir son avenir sous un meilleur jour. Merci.